Ceci vous est présenté par la Tour de Prière Semeur. Que Dieu vous bénisse. Ceci vous est présenté par la Tour de Prière Semeur. Que Dieu vous bénisse. Ceci vous est... Alléluia. Père, nous venons encore une fois élever ta cabote, car tu es le roi de gloire. Reçois la gloire qui t'est due. Avec mes frères, mes sœurs, nous venons te dire, ô roi majestueux, tu es digne de gloire. Alléluia. Nous désirons ta gloire, Kabote. Qu'elle nous remplisse et qu'elle nous imprègne. Ah, nous désirons de tout cœur cette Kabote. L'ombre de ta gloire, ô Dieu. Nous désirons ta gloire, ô Dieu. Nous désirons ta gloire, ô Dieu. Alléluia. Éternel Dieu tout-puissant, nos cœurs assoiffés de toi, réunis devant ton trône, nous te désirons. Kabote, touche-nous, que ta gloire nous transporte dans ta présence, descends ce lieu. Kabote, 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 nous te désirons dans ta gloire, descends ce lieu. Touche-nous, change-nous, transforme-nous. Kabote, Kabote. Nous désirons ta gloire, oh Yahweh, celle que le somme ne nous donne pas, celle que la chair ne nous donne pas. Oh, ta Kabote, le pouvoir du surnaturel. Jacques Guénard, le mentor,
Shalom, shalom bien-aimés, shalom, shalom frères et sœurs, shalom, shalom la grande famille internationale, que la grâce du Seigneur vous soit accordée ce matin dans le nom de Jésus-Christ, que le feu du Saint-Esprit, que la puissance de l'Esprit-Saint vous soit localisée dans le nom de Jésus, car la Bible déclare dans les derniers jours, les fils, nos fils, vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, des visions. Frères et sœurs, nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes dans les temps difficiles. Nous sommes dans les temps où nous allons encore chercher la présence, la puissance, la faveur du Saint-Esprit dans nos cœurs. Amen. Marchons selon l'Esprit de Dieu afin que nous puissions vivre la lumière et la sagesse de Dieu. Ce n'est plus le temps de marcher selon le péché, selon la chair, selon la vue, selon les circonstances, selon les tempêtes, selon les périodes. Frères et sœurs, c'est fini ces temps-là. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous en conjure par la compassion du Seigneur, par l'amour de Christ, que nous puissions marcher dans la sanctification, que nous puissions marcher dans la volonté de Dieu, dans la crainte de l'Éternel, que nous puissions respecter le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est la personne divine. Le Saint-Esprit, c'est la meilleure amie que nous avons. Alléluia. Bien-aimés, frères et sœurs, tu veux être rempli du Saint-Esprit, sois l'ami du Saint-Esprit, sois l'ami de l'Esprit-Saint. Parce que la Bible déclare, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez les témoins de Christ dans Judée, dans Samarie, oh, partout, même à Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Frères et sœurs, Jérusalem, cela veut dire ta maison. Si Jérusalem, cela veut dire ta famille. Jérusalem veut dire là où tu vis ta vie. Là où on te voit. Là où tu fréquentes. Jérusalem, frères et sœurs, je vous en prie dans la compassion du Seigneur de garder vos corps, de garder vos mains, de garder votre connaissance, votre temple qui est à l'intérieur de vous. Cela veut dire votre cœur. Que votre cœur ne se trouble point à cause du manque, à cause de quelque chose que vous avez besoin. Par la compassion du Christ, frères et sœurs, sois habillé par le Saint-Esprit, par le vêtement du Saint-Esprit. Alléluia. Car c'est moi et désiré et désigné plutôt que nous devons manifester les caractères, le fruit de l'Esprit Saint. Nous devons manifester la puissance du Saint-Esprit en nous. Nous devons manifester le fruit de l'Esprit Saint parce que nous avons en nous le sceau, la marque du Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Est-ce que nous pouvons commencer à donner des shaloms au Saint-Esprit, à saluer le Saint-Esprit et aussi à aimer la vidéo et aussi, frères et sœurs, à saluer notre frère et sœur qui est à côté, qui est en haut, en bas. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, 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 frères et sœurs. Dieu nous aime. Dieu veut que nous puissions demeurer avec le Saint-Esprit pour que nous puissions avoir de la force, pour que nous puissions avoir de la capacité venant de lui. Avant de commencer, nous allons prier le Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, nous te sommes reconnaissants ce matin. Ô Saint-Esprit de Dieu, parce que tu es là, c'est pour cela que nous avons la révélation. Parce que tu es là, c'est pour cela que nous avons la grâce de pouvoir dialoguer avec le Père. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous te bénissons, nous te louons. Tendre Père, merci pour l'œuvre de la croix. Merci parce que le Saint-Esprit est venu par Jésus-Christ
de Nazareth. Jésus-Christ nous a dit, il est avantagé que je m'en aille pour que le Consolateur soit venu, pour que le Consolateur nous soit accordé. Et nous sommes dans le temps du Consolateur. Oh Dieu, nous te sommes reconnaissants ce matin. Le fait simplement d'entendre la voix de mon frère et de ma sœur, l'Écriture même. Oh Père, nous voyons ton amour, nous voyons ta bonté, nous voyons ta bienveillance. Merci parce que tu nous as ramenés, Seigneur, dans cette nouvelle journée. Une nouvelle journée commence et une grâce nouvelle commence dans nos vies. Nous ne voulons pas palper, nous ne voulons pas louper, nous ne voulons pas, Seigneur, rater cette faveur de cette journée. Parce que cette journée, elle est encore spéciale pour nous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, tendre Père. Merci parce que tu penses à nous, merci parce que tu veilles sur nous. La Bible déclare, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Ô Père éternel, que ton nom soit béni ce matin. Notre prière, ô Dieu, notre vœu, Seigneur, de cette journée, que nous voulons, Seigneur, ô Dieu de gloire, être remplis d'abord du Saint-Esprit. Éternel Dieu, merci, parce que le Consolateur est là pour nous montrer les Écritures saintes, pour nous montrer la révélation venant de toi, pour nous communiquer la puissance de l'Esprit. Que toute la gloire te soit rendue dans les noms précieux, dans les noms de Sa Majesté, dans les noms de Christ. Nous t'avons si prié et nous disons merci encore, un grand merci, parce que nous, autrefois, on était des errants. On était, Seigneur, ça et là. On n'avait pas le repère. Mais avec le Saint-Esprit, nous avons le repère. Le repère qui nous ramène dans la droiture, dans la justice, dans la sainteté, dans la bienveillance, dans la félicité de Dieu. Que ton nom soit béni ce matin. Seigneur, oh Dieu, nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu vas faire, pour tout ce que tu vas opérer dans nos vies. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire, au siècle des siècles. Dans les noms puissants de Christ et Jésus, nous t'avons si prié et nous disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, pour ce temps merveilleux que nous voulons passer devant ta présence. Au nom de Jésus, amen. Amen, amen, amen. Nous pouvons encore saluer la présence du Saint-Esprit en acclamant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, en bénissant le nom du Tout-Puissant. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. J'entrerai dans tes portes, j'entrerai dans ta présence, avec tes louanges, devant toi me voici. J'entrerai dans tes portes, j'entrerai dans tes portes, j'entrerai dans ta présence. Amen, avec tes louanges, devant toi me voici. J'entrerai dans tes portes, j'entre dans tes portes, j'entre dans ta présence. Amen, avec des louanges, Seigneur, devant toi, me voici. Amen. Gloire à Dieu, un grand shalom de partout où vous êtes.
la grande famille internationale, que la paix du Seigneur demeure en vous, dans les noms de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, c'est parce que vous êtes en train de partager la vidéo, parce que vous êtes en train d'aimer la vidéo. Que le Seigneur puisse vous aimer encore davantage. Que Dieu puisse manifester son amour, parce que vous manifestez aussi votre amour dans son œuvre. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur puisse rajouter un plus ce matin dans vos vies. Que le Seigneur puisse vous fortifier davantage, ceux qui traversent des moments difficiles, ceux qui traversent des moments de troubles, ceux qui traversent des moments de turbulations. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous sécurise dans le nom de Jésus. Que Dieu puisse prendre soin de vous. Alléluia. Que Dieu puisse prendre soin de vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Hosanna, hosanna. Mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, frères et sœurs. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Éphésiens chapitre 4 au verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous, alléluia, qui a été scellé pour le jour de la rédemption. Nous allons prier le Seigneur ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, tu sais que pour faire du bien, tu n'arrives pas à faire du bien. Ça tourne toujours dans le mal. Et pour faire la justice de Dieu, tu n'arrives pas. Ça, c'est que tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Sachez-le que le péché est déjà rentré. Et si nous disons que nous n'avons pas de péché, frères et sœurs, nous nous trompons, nous nous séduisons nous-mêmes. Alléluia. Nous voulons demander pardon ce matin. Parce que nous avons attristé le Saint-Esprit. Nous avons attristé le Saint-Esprit. Bien que je viens de me réveiller, mais bien aimé dans le Seigneur, en pensant, en rêvant même, en faisant le mal, en gardant des gens dans des cages de prison, je ne vais pas pardonner. Je ne vais pas, parce que telle personne m'a fait tellement du mal. Il m'a humilié devant les gens, frères et sœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne pardonnons pas à nos frères et sœurs, et Dieu nous ne pardonnera pas non plus nos fautes. Alléluia, il ne bougera pas d'un millimètre pour venir à notre côté. C'est pour cela, bien-aimés, la Bible déclare, tu veux donner ton offrande, bien-aimés dans le Seigneur, d'abord, prépare d'abord, va d'abord arranger avec ton frère. Alléluia. Nous allons demander pardon à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce qu'on peut aimer la vidéo, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut aimer la vidéo pour donner une occasion à un frère, à une sœur, de pouvoir aussi bénéficier de cette richesse d'aujourd'hui que Dieu a prévue pour nous? Amen. Alléluia. Nous allons demander pardon ce matin. Là où tu te trouves, demande pardon à Dieu parce que tu as attristé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit normalement être dans la joie tous les jours dans ta vie, tous les jours dans ton cœur. Regarde, peut-être tu as parlé mal à ton mari, tu as parlé mal à ta femme, tu as parlé mal à ta maman, tu as parlé mal à ton père, tu as parlé mal à tes enfants aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons demander pardon. Alléluia, nous allons demander pardon. Il y a une femme qu'on a arrêtée en flagrant délit d'adultère. Alors, on voulait la lapider avec des pierres. Mais Jésus-Christ va prendre la parole. Parce qu'on lui a dit, selon la loi de Moïse, il est écrit, quand vous arrêtez une femme en flagrant délit d'adultère, vous allez les lapider par des pierres. Lapider. Alors, frères et sœurs, Jésus-Christ, comme c'est lui qui est venu pour donner la vie. Il a dit, parmi vous, qui de vous qui n'a pas péché? Parmi vous, qui n'a pas de péché? Qui n'a pas commis de péché? Et tout le monde ne pouvait pas jeter la pierre à la femme. Bien-aimé dans le Seigneur, pour dire, nous avons du péché en nous. Et la Bible déclare, tous
ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3 au verset 23. Prions le Seigneur, demandons pardon avec beaucoup d'humilité. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas dire que non. Non, je n'ai pas de péché, je n'ai pas de problème avec les gens, je n'ai pas de problème, ça et là, frères et sœurs. À l'intérieur de nous, il y a ce qu'on appelle le corps adamique, le désir charnel. Nous allons demander pardon. Alléluia. Prions le Seigneur et demandons pardon à Dieu. Éternel Dieu, ce matin, nous voici devant ta présence. Nous voulons, Seigneur oh Dieu, considérer ta parole. Ta parole qui nous dit dans Éphésiens chapitre 4 au verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Oh Dieu, nous voici devant toi. Nous demandons pardon, Seigneur. Pardonne-nous ce matin. Pardonne mon frère. Pardonne ma sœur qui est encore, Seigneur, hésitant. Qui est encore, Seigneur, de gloire, paix dans le trouble. Qui est encore, Seigneur, de gloire, paix dans des choses, Seigneur, bizarroïdes. Oh Dieu de gloire, je te prie dans le nom de Jésus. Oh Père, pardonne-nous, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous sommes faillibles, parce que nous sommes fautifs, parce que nous sommes faibles, nous sommes une faible plante, Seigneur. Je suis, Seigneur, ô Dieu de gloire, ô Dieu, ô fautif et moi-même. Seigneur, je ne peux pas dire, Seigneur, que le péché n'est pas en moi, Seigneur. Je ne peux pas dire, Seigneur, je suis saint. Mais, Seigneur, ô Dieu, je peux te dire, Seigneur de gloire, je suis, Seigneur, fautif, Seigneur. Je viens avec tous mes fardeaux. Je ne vais pas attrister le Saint-Esprit. Je ne vais pas, Seigneur, donner la colère au Saint-Esprit. Je ne vais pas angoisser le Saint-Esprit ce matin. Voilà pourquoi, ô Dieu, je viens pour demander pardon. Je demande pardon ce matin. Pardon pour ma maison. Pardon pour mes enfants. Pardon pour ma famille. Pardon, Seigneur, pour ma femme. Pardon pour moi-même. Seigneur, ô Dieu, regarde mon cœur. Je ne vais pas être dans le péché. Je ne vais pas attrister le Saint-Esprit. Parce que je veux que, Seigneur, que la grâce de Dieu me soit accordée. Oh, je te prie dans le nom de Jésus. Viens me pardonner ce matin. Viens me décharger ce matin. Décharge mon cœur. Décharge ma vie, Seigneur. Père éternel, toi qui es venu, Seigneur, dans ce monde, tu n'as pas condamné, Seigneur, mais tu es venu pour libérer. Tu es venu, Seigneur, pour pardonner. Voilà pourquoi tu diras, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Je te prie dans le nom de Jésus. Pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos petitesses, pardonne-nous nos maladresses, pardonne-nous Seigneur, parce que nous n'arrivons pas à supporter celui qui est indifférent de nous. Nous n'arrivons pas à supporter Seigneur, oh Dieu de gloire, Père, oh, l'injustice, nous n'arrivons pas à supporter Seigneur, oh Dieu de gloire, Père, les choses de ce monde. Nous te prions ce matin de nous pardonner. Pardonne-nous, Seigneur de gloire, Père. Pardonne-nous, Seigneur, ô Dieu. Pardonne-moi, Seigneur, Père éternel, à chaque fois, Seigneur, ô Dieu, je tombe. À chaque fois, Seigneur, je trébuche. À chaque fois, Seigneur, je regarde toujours en arrière. À chaque fois, Seigneur, je veux toujours, Seigneur, être attiré, Seigneur, aux choses viles, aux choses folles, aux choses terre à terre. Je te prie dans le nom de Jésus. Mon Père, aie pitié de moi ce matin. Je ne vais pas attrister le Saint-Esprit dans mon cœur. Je ne vais pas attrister le Saint-Esprit dans ma marche. Je ne vais pas attrister le Saint-Esprit à cause d'une fête, à cause, Seigneur, ô Dieu de gloire, Père, d'un désir, Seigneur, charnel. Je te prie dans le nom de Jésus, viens me pardonner, viens me pardonner, pardonne-nous ce matin, dans le nom puissant de Christ et Jésus. Nous t'avons si prié et nous disons, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que l'or. Feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir. Oh, être saint, mis à part
Pour toi, Seigneur, j'ai choisi d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Nous allons demander le sang précieux de Jésus de nous laver. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, l'Esprit de Dieu est bien disposé. Mais celui qui combat l'Esprit de Dieu, c'est le péché, au fait. C'est lui qui empêche, voilà, c'est lui qui empêche que l'œuvre de l'Esprit Saint puisse travailler à nous, c'est le péché. Voilà pourquoi nous allons demander que le sang de Christ puisse nous laver. Nous sommes toujours dans une position d'égoïsme. Alléluia. Nous ne voulons pas peut-être écouter la voix de Dieu. Nous sommes toujours hésitants. L'exemple en est que lorsqu'on nous dit d'aimer simplement la vidéo, nous avons l'hésitation. Nous ne voulons pas aussitôt. Nous ne voulons pas le faire. Alléluia. Cela veut dire quelque chose encore qui est en nous que nous devons vraiment travailler. Nous allons demander que le sang de l'agneau puisse laver nos cœurs, puisse purifier nos vies, puisse nettoyer nos membres pour que nous soyons irrépréhensibles devant Dieu. Alléluia. Mais bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons jamais égoïstes. Ne voulons pas simplement avoir ce que nous avons besoin, mais nous voulons d'abord avoir ce que Dieu nous prépare, ce que Dieu nous donne. Amen. Nous allons demander que le sang de l'agneau puisse purifier nos cœurs, puisse laver nos vies et que notre façon de parler soit apaisée, soit transformée. Peut-être tu parles mal à ton mari, peut-être tu parles mal à tes collègues, peut-être tu parles mal à ton chef hors du travail, peut-être tu n'as pas la capacité de pouvoir sortir des paroles douces, parce que la Bible déclare, les paroles douces apaisent la colère. Nous allons demander que le sang de l'agneau puisse justifier, puisse nettoyer, puisse laver nos cœurs. Alléluia, commence à prier ce matin. Oh, tendre Père, nous voici devant toi ce matin. Nous voulons que le sang de l'agneau puisse nous laver ce matin, Seigneur, afin d'enlever l'égoïsme au-dedans de nous, afin d'enlever la colère, la médisance, l'hésitation, Seigneur de gloire, la procrastination. Nous te prions ce matin, oh Dieu, lave-moi, Seigneur, en premier lieu. Je veux que je sois lavé, mon corps, mon âme, mon esprit, que je sois purifié davantage. Seigneur, oh Dieu, je ne suis pas venu, Seigneur, pour avoir, Seigneur, oh Dieu, paie la richesse d'abord. Non, je suis venu d'abord pour être agréable à toi. Je suis venu, Père, pour que je sois lavé. Je suis venu pour que je sois purifié. Dès lors, je suis purifié, Seigneur, oh Dieu. Père, je serai encore, Seigneur, enrichi. Parce que la Bible déclare, Seigneur, ce sont nos crimes, ce sont nos fautes qui empêche la bonté de Dieu, qui empêche la main de Dieu, qui empêche la faveur de Dieu dans nos vies. Oh, tendre Père, je te prie dans le nom de Jésus, que je sois lavé, mon cœur, mon âme, mon corps, ma maison, mes enfants, Seigneur. Tout ce qui est à moi soit lavé, Seigneur. Même mes habits, Seigneur, que je mets tous les jours. Même mes chaussures, Seigneur. Même, Seigneur, l'eau que je suis en train de prendre, Seigneur, pour laver mon corps. Que je sois, Seigneur, de gloire, purifié, Seigneur. Que cela soit purifié, lavé. Ah, Seigneur, oh Dieu, je prie ce matin, Seigneur, que je sois lavé, Seigneur. Oh, Dieu de gloire, ne me laisse pas dans le péché. Ne me laisse pas dans l'ignorance. Ne me laisse pas dans l'oubli. Ne me laisse pas dans l'égoïsme. Ne me laisse pas, Seigneur, oh Dieu de gloire, paix. Oh, que je puisse, Seigneur, rester dans le péché. Mais je veux ce matin que le sang de l'agneau puisse laver mon cœur. La Bible déclare, sans l'effusion du sang, il n'y a point de pardon du péché. Je te prie ce matin, viens nettoyer, viens laver mon cœur, viens purifier mon âme, viens purifier ma vie ce matin, dans le nom de Jésus. Je veux ce matin, Seigneur, que ma vie soit transformée. Je veux que mon cœur soit lavé, que je sois purifié davantage, afin que ma prière, afin que mon cœur soit encore agréable à toi ce matin. Je te prie dans le nom de Jésus.
Oh, tendre Père, viens nettoyer mon cœur. Viens nettoyer mon cœur ce matin. Viens laver moi, Seigneur de gloire. Viens me laver, Seigneur. Viens me laver, Seigneur, oh Dieu, corps et âme, esprit, de la tête jusqu'à la plante de mes pieds. Oh, je te prie dans les noms de Jésus. Je veux ce matin, Seigneur, que je sois, Seigneur, oh Dieu, oh Père, agréable à toi. Que je sois, Seigneur, purifié, Seigneur. La Bible déclare, Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché, qui enlève le péché de mon cœur. Commence à nettoyer, commence à laver ma vie, commence à purifier mon cœur ce matin, mon Père. Je te prie dans le nom de Jésus. Oh, je veux ce matin, Seigneur, que je sois, Seigneur, oh Dieu saint, que je sois sanctifié, que je sois nettoyé, que je sois purifié, Seigneur. Père éternel, oh Dieu de gloire, laissez-moi te dire ce matin, Seigneur, j'ai besoin de la purification dans mon cœur. J'ai besoin ce matin de la sanctification dans ma vie. Il me faut le sang de l'agneau. Il me faut le sang de l'agneau, Seigneur. Père éternel, Dieu, lave mon cœur. Ce que je puis regarder, ce que je puis entendre, ce que je puis parler, Seigneur, qui ne t'a pas plu, Seigneur. Je te prie dans le nom de Jésus de me sanctifier, d'ôter le péché, endommage le péché dans mon cœur. Par le sang de Christ, par le sang de l'agneau. La Bible déclare, c'est le sang de l'agneau qui ôte le péché. Viens ôter le péché dans mon cœur et que je ne sois pas dans l'ignorance et que je ne sois pas sous le joug du péché. Que je ne sois pas, Seigneur, sous la convoitise du monde. Je te prie ce matin, lave-moi, Seigneur. Lave-moi, Seigneur, parce que je veux être agréable à toi au nom puissant de Jésus. Purifie ma bouche, purifie mes lèvres, purifie mes mains, nettoie ma vie ce matin, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons demander que le sang de l'agneau puisse nettoyer notre journée, puisse nettoyer notre parcours, puisse laver. La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Que ton sentier soit purifié, que ton chemin du jour soit lavé, nettoyé. Là où les endroits que tu vas piétiner, les endroits que tu vas passer, que cela soit purifié encore. Est-ce que tu peux prier ce matin? Oui, le sang de l'agneau ce matin. Commence à purifier mon parcours. Commence à purifier ma distance. Commence à purifier le trajet par lequel je dois effectuer. Oh, je te prie ce matin, le sang de l'agneau. Commence à nettoyer. Nettoie ma journée. Nettoie mon parcours. Nettoie, oh alléluia, mon environnement. Commence à nettoyer ce matin. Commence à enlever tous les blocages démoniaques et sataniques. Commence à enlever tous les pièges de l'ennemi dans ce parcours, Seigneur, que je dois effectuer ce matin. Au nom puissant de Jésus, oh, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, commence à déraciner tous les accidents, toutes les attaques de l'ennemi. Je te prie ce matin d'enlever ce matin, oh, les embûches dans mon parcours, les embûches dans mon trajectoire, dans le nom de Jésus. Le sang de l'agneau commence à déraciner le piège du malin, le flèche qui vole en plein midi, le flèche qui vole en plein jour. En haut, je te prie ce matin, le sang de l'agneau. La Bible déclare, c'est le sang de l'agneau qui ôte le péché, qui ôte l'abomination, qui enlève, oh, le piège de l'ennemi. Je te prie ce matin et que ma journée soit favorable et que ma journée soit scellée par le sang de l'agneau et que je sois aspergé par le sang précieux de Jésus, de maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, que le chemin, Seigneur, oh Dieu, de mes enfants, Seigneur, oh Dieu, soit aplani par le sang de l'agneau. Oh Dieu, le chemin, Seigneur, de gloire, Père de l'école, soit purifié, Seigneur. Le chemin de mes enfants soit nettoyé, Seigneur, oh Dieu, afin que lorsqu'ils vont aller à l'école, Seigneur, oh Dieu, que l'intelligence leur soit accordée davantage. Dans les noms de Jésus, le sang de l'agneau commence à nettoyer notre
notre parcours. La Bible déclare ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Nous voulons ce matin que le sang de l'agneau puisse ramener la lumière, puisse ramener la victoire, puisse ramener l'éclairage, le sang précieux de Jésus dans la vie de mes enfants, sur le chemin de l'école, soit, oh alléluia, restauré encore au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons demander que le sang de l'agneau puisse enlever les cotons, alléluia, les cotons démoniaques et sataniques dans nos oreilles. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des fois le diable vient s'aimer les cotons, vient mettre les cotons, boucher nos oreilles, afin que nous ne puissions pas écouter la voix de Dieu, afin que nous ne puissions pas comprendre la révélation de Dieu, afin que nous ne puissions pas être dans la bonne humeur, mais que nous soyons en colère. Bien-aimés dans le Seigneur, et peut-être vous pouvez voir, que vous pouvez aussi constater qu'un jour comme ça, vous vous levez, vous êtes en colère. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien. Personne ne vous a parlé, mais il y a la colère qui est envenimée en vous. Pourquoi? Parce qu'il y a un bouchon, il y a un coton de la colère qui s'installer dans votre vie. Alors ce matin, nous allons demander à Dieu d'enlever au moyen du sang de l'agneau, que ce bouchon, que ce coton que le diable a mis dans nos oreilles, que cela soit ôté davantage. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier ce matin en disant, Seigneur, oh Dieu, enlève le coton que Dieu, le diable a mis pour que nous ne pouvons pas écouter ta parole, pour que nous ne puissions pas écouter ta voix. Nom puissant de Jésus, par le sang précieux de Jésus. Est-ce que tu peux prier ce matin? Est-ce que tu peux prier ce matin? Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de demander la faveur de Dieu. Nous sommes en train de demander la restauration dans notre corps et que nous soyons un corps incorruptible et que nous soyons un corps glorieux et que nous soyons un corps capable d'écouter la voix de Dieu. Un corps par lequel le temple de Dieu s'installe. Rabaché, kéré, Bossia. Oh, tendre Père, me voici devant toi, tel que je suis, je viens, Seigneur, pour dire, toi qui connais, Seigneur, oh Dieu, c'est que, Seigneur, oh Dieu, j'ai dans mes oreilles, je te prie ce matin, le coton, Seigneur de gloire, Père, oh Dieu de gloire, qui empêche, Seigneur, la voix, ta voix, d'écouter ta voix, et que cela soit écarté par le sang de l'agneau, que par le sang de l'agneau, au travers du sang de l'agneau, viens enlever ce coton, viens enlever le coton dans les oreilles de mes enfants, viens enlever le coton, Seigneur, dans mes oreilles, viens enlever ce coton, Seigneur, qui bouche, Seigneur, de gloire, Père, oh Dieu de gloire, Père, mon entendement, qui fait en sorte, Seigneur, que je sois sourd, que je ne puisse pas écouter la voix. Voix que tu parles, la voix par laquelle tu veux me bénir. Oh Dieu de gloire, que le sang de l'agneau, que le sang de l'agneau commence à déboucher mes oreilles, commence à déboucher mon entendement, commence à déboucher mon écoute. Au nom puissant de Jésus, par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, je veux être libre, je veux être capable de pouvoir écouter le son de ta voix, parce que tu parles tantôt d'une manière, d'une autre. Oh Dieu de gloire, je te prie ce matin, viens enlever ce bouchon, viens enlever, ôte le bouchon dans mon cœur par le sang de l'agneau, le coton, Seigneur, démoniaque et satanique que diable a mis dans mes oreilles pour que je sois rebelle, pour que je sois, Seigneur, impoli vis-à-vis, Seigneur, de ta parole, vis-à-vis, Seigneur de gloire, Père, de mes supérieurs. Je te prie ce matin, Seigneur, oh Dieu de gloire, que le sang de l'agneau puisse déboucher mes oreilles ce matin, afin que je puisse écouter le son de ta voix dans le nom de Jésus. Oh, nettoie mes oreilles, nettoie mes oreilles, nettoie mes oreilles ce matin, que mes oreilles soient nettoyées, que mes oreilles soient nettoyées par le sang de l'agneau, par le sang précieux
de Jésus. Que mes oreilles soient nettoyées encore et encore, de maintenant et à jamais. Parce que je veux être, Seigneur, attentif. Je veux être, Seigneur, de gloire, paix. Oh Dieu de gloire, tout près, Seigneur. Oh Dieu de ta voix, tout près, Seigneur de gloire, de ta bouche. Je veux que tu puisses parler à mon cœur. Je veux que tu puisses parler à ma vie. Il me faut le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau commence à enlever le coton démoniaque et satanique que le diable, oh Dieu, a mis dans mes oreilles. Que le diable voulait mettre, que le diable voulait mettre, Seigneur, dans la vie de mes enfants. Que mes enfants soient rebelles, que mes enfants ne puissent pas écouter. Oh ben, même en classe, lorsqu'ils vont écouter les leçons, lorsque le moniteur sera devant eux, oh, je te prie ce matin que ces cotons démoniaques puissent enlever, oh, sois enlevé dans les oreilles de mes enfants. Enfin que, Seigneur, oh Dieu de gloire, les oreilles de mes enfants puissent être, Seigneur de gloire, paix, attentif au nom puissant de Jésus. Que le sang de l'agneau qui ôte le péché, que le sang de l'agneau qui enlève tout coton démoniaque et satanique, oh, que cela soit, Seigneur de gloire, paix, ôté maintenant. Que cela soit ôté maintenant par le sang de l'agneau au nom puissant de Jésus. Il y a une efficacité dans le sang de l'agneau. Il y a une efficacité dans le sang de l'agneau. Voilà pourquoi nous disons ce matin, le sang de l'agneau commence à nettoyer nos oreilles spirituelles aussi, nos oreilles physiques aussi, nos oreilles, oh, de notre corps, dans les noms puissants de Jésus, de maintenant et à jamais. Amen, amen, amen. Lavé par le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé par le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut remercier le Dieu puissant pour le pardon du péché, pour la purification de nos âmes? Alléluia, rendons gloire à Dieu ce matin. Éternel Dieu, nous voici devant toi. Nous voulons te rendre gloire. Nous voulons, Seigneur, te célébrer de ce que tu as enlevé les cotons dans nos oreilles, de ce que tu nous as débouché ce matin, de ce que tu as permis que nous puissions bénéficier du sang de Christ Jésus. Oh, que toute la gloire te soit rendue ce matin. Je viens te bénir ce matin parce que je sais que maintenant tu as purifié, tu as nettoyé. Mon corps est lavé, mon cœur est purifié, mes yeux sont purifiés. Je te loue, tendre Père. Merci parce que, Seigneur, tu as effacé la peine de mes péchés. Tu as enlevé, oh Dieu, l'envoûtement démoniaque et satanique qui menaçait mes enfants, qui menaçait ma journée, qui menaçait ma vie. Oh, que toute la gloire te soit rendue. Je crois, Seigneur, fermement, Seigneur, que tu entends le prier. Lorsque un malheureux crie, Seigneur, tu l'entends et tu viens pour le sauver. Lorsque un juste crie devant toi, tu viens, Seigneur, pour le délivrer, Seigneur, oh Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur, parce que tu nous as écoutés, parce que tu nous as purifiés. Oh Dieu de gloire, béni soit ton nom, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, tu as restauré, tu as changé, Seigneur de gloire, paix, les données. Tu as changé, Seigneur de gloire, paix. Oh Dieu de gloire, nos vies, Seigneur. Père éternel, béni soit ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Nous allons encore prier ce matin. Alléluia. Nous allons encore prier ce matin que nous soyons inondés par le Saint-Esprit. Que tu sois inondé par le Saint-Esprit. Que tu sois mouvé par le Saint-Esprit. Que tu sois contrôlé par le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que tu peux prier là où tu es? Tu vas demander que tu sois inondé. Quand on dit inondé, c'est-à-dire que tu sois rempli,
quand on dit que tu sois rempli, que tu sois réellement, alléluia, oh, mais bien, mais contrôlé par le Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons prier ce matin, bien-aimés dans le Seigneur? Commencez à prier, demander que le Saint-Esprit te remplisse. Mais bien-aimé dans le Seigneur, je veux d'abord être rempli. Alléluia, les titres de cette prière. Je veux d'abord être rempli du Saint-Esprit. Avant toute chose, avant quoi que ce soit, je sois d'abord rempli. La Bible déclare que Jésus-Christ, avant qu'il soit tenté, il était d'abord rempli, revêtu de la puissance de Dieu. Mais bien-aimé dans le Seigneur, avant que tu puisses commencer ta journée, il te faut que tu sois rempli. Il te faut le Saint-Esprit. Il faut que tu sois, il faut que tu puisses être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Alors nous pouvons dire ce matin, Saint-Esprit, remplis mon cœur. Alléluia. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Est-ce que tu peux prier ce matin au nom de Jésus? Saint-Esprit, me voici devant ta présence. Me voici devant toi ce matin. Me voici devant ton autorité. Devant ta plénitude. Je veux d'abord être rempli. Je veux d'abord être inondé par ton esprit. Je veux d'abord être saturé par ton esprit. Oh Saint-Esprit, ne me laisse pas. Ne me laisse pas tel que je suis. Que je sois rempli, Seigneur. Que je sois rempli de ta plénitude. Que je sois inondé de ta plénitude, que je sois revêtu de ton esprit ce matin. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, que je sois inondé, que je sois contrôlé par toi. Je te prie ce matin, inonde, remplis mon cœur, remplis ma vie, parce que je suis le tabernacle, je suis le temple de Dieu, je suis, alléluia, la résidence du Saint-Esprit. Viens me remplir ce matin, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, remplis-moi ce matin. Ne me laisse pas dans la confusion. Ne me laisse pas dans les doutes. Ne me laisse pas, Seigneur, dans une mauvaise position. Ne me laisse pas dans l'angoisse. Ne me laisse pas dans la défaillance. Je veux que je sois rempli, que je sois inondé, que je sois saturé, que je sois, oh Dieu, doublé de l'onction, que je sois, Seigneur, bourré de ta plénitude, que je sois inondé ce matin. Au nom puissant de Jésus, Rabaché, Rekebosia, l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, où les vrais adorateurs seront nettoyés, remplis de l'Esprit Saint, seront, ô Dieu de gloire, saturés de l'Esprit Saint. Nous voici ce matin, viens nous remplir, viens nous inonder ce matin, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons lire un passage. Nous voulons lire un passage et ce passage qui va te donner une force le plus absolue. Mes bien-aimés, la Bible déclare, au commencement, c'est la parole. Au commencement, c'est Dieu. Amen. Nous allons lire, nous allons prendre nos Bibles, frères et sœurs. Prends ta Bible si tu as une Bible. Prends ta Bible, frères et sœurs. Considère la parole de Dieu. Considère la puissance de Dieu. Considère les choses de Dieu. Nous allons ouvrir dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, au verset 18. Alléluia, jusqu'au verset 19. Gloire à Dieu. J'ai lu la parole de Dieu dans le nom de Jésus, dans Éphésiens chapitre 5, au verset 18. J'ai lu la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, parole de Christ. Frères et sœurs, dans cette parole, il nous dit, ne vous enivrez pas de vin.
Ne prenez pas des choses de Dieu en vain. Ne prenez pas la présence de Dieu en vain dans vos vies. Nous devons prendre des choses de Dieu en main. Cela veut dire quoi? Nous ne devons pas faire n'importe quoi. Parce que notre corps est dédié au Saint-Esprit. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et dit, ne vous enivrez pas de vin. Frères et sœurs, quand quelqu'un est ivre, il va commencer à parler des choses terre à terre, des choses sans valeur, des choses sans le bon sens. Il sera dépourvu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit, bien au contraire, que nous soyons quoi? Que nous soyons remplis de l'Esprit, frères et sœurs, par la compassion encore. Je vous en supplie, frères et sœurs. Je ne suis pas là pour vous flatter. Non, 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 bien-aimés, loin de là. Loin de là, frères et sœurs. Je suis là, mes bien-aimés, pour vous montrer que l'essentiel de notre vie, que nous devons avoir le Saint-Esprit d'abord. Lorsque nous sommes conduits par le Saint-Esprit, nous n'allons pas tomber dans la tentation. Nous n'allons pas trébucher. Nous n'allons pas faire la volonté de la chair. Mais bien au contraire, nous allons faire la volonté du Père. Jésus-Christ, étant Dieu, est venu sur la terre des hommes afin qu'il soit tenté, afin qu'il puisse aller faire son jeûne de 40 jours, 40 nuits. Il fut rempli du Saint-Esprit. Frères et sœurs, toi qui bientôt tu vas faire une prière, un jeûne de 70 jours, frères et sœurs, il te faut un bagage nécessaire. Il te faut le Saint-Esprit dans ta vie. Il te faut que tu sois rempli de tous côtés. Alléluia. Que tu sois rempli de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, à l'intérieur de ton cœur, à l'extérieur de ton corps, au nom puissant de Jésus. Et la Bible déclare, soyez au contraire remplis de l'Esprit Saint. Frères et sœurs, il y a un chant que nous chantions. Nous disons, quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je crie comme David. Frères et sœurs, quand l'Esprit de Dieu est en toi, tu vas célébrer. Il dit ceci, entretenez-vous par des psaumes et par des énigmes. Par des cantiques, des psaumes là d'abord, c'est des prières. Les psaumes là, je dois maximiser le temps de prier. Je dois prier sans cesse. Je dois continuellement prier. Je ne dois pas lâcher la prise de la prière. Je dois continuellement prier. Alors, pour que je puisse avoir la continuité de la prière, il me faut le Saint-Esprit. Il faut que je sois rempli de l'Esprit Saint. Frères et sœurs, si tu n'es pas rempli de l'Esprit Saint, tu ne pourras pas prier. Tu ne pourras pas prier au moins pendant au moins 15 minutes. Non, 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 tu seras fatigué. Tu vas prier, je vous dis, en grosso modo, tu vas prier pour 3 minutes, 2 minutes, c'est fini. La prière est finie. Oui, frères et sœurs. Alléluia. Quand tu es rempli de l'Esprit Saint et tu vas aller au-delà, plus de 1 heure, plus de 2 heures, plus de 3 heures, bien-aimé, tu ne vas pas voir que non, tu es fatigué. Parce que le Saint-Esprit va te donner une capacité excellente. Alléluia. Bien-aimé, frères et sœurs, par la compassion de Christ, je vous en supplie, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être vous êtes en Martinique. Peut-être vous êtes en Guadeloupe, peut-être vous êtes en Afrique, peut-être tu es au Gabon. Frères et sœurs, je ne connais pas ta maison, mais le Saint-Esprit connaît ta maison. Bien-aimé dans le Seigneur, comment nous pouvons passer outre quand l'Esprit de Dieu parle, quand Dieu veut nous bénir, quand Dieu veut faire du bien dans notre vie? Alléluia! Prenons les choses de Dieu au sérieux. Prenons notre vie en main pour dire que non, je dois être avec le Saint-Esprit. Je dois être rempli d'abord de l'Esprit Saint. Frères et sœurs, regardons, mon bien-aimé, comment les choses du monde. Tu peux aujourd'hui manger la viande, la bonne viande, mais demain tu auras encore faim.
Tu peux manger encore le bon poulet, le poulet braisé ou boucané, peu importe. Mais demain encore, le lendemain, tu vas avoir encore, tu as encore faim pour manger, bien-aimé dans le Seigneur, pour dire. Les choses du monde, mes bien-aimés, sont éphémères, sont passagères. Alléluia. Bien-aimés, nous devons être remplis de l'Esprit Saint. Si nous arrivons à avoir la faim de manger, oh mes bien-aimés, nous voulons manger ou l'appétit de manger, à comme plus forte raison de demander que nous soyons remplis de l'Esprit Saint. Je vous en supplie, bien-aimés. Mais bien-aimés dans le Seigneur, cette prière n'est pas dédiée à tout le monde. Non, je ne pense pas. Cette prière est dédiée à ceux-là qui sont passionnés de Christ, à ceux-là qui veulent que leur vie puisse changer, à ceux-là qui veulent réellement garder l'intimité avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas donné à tout le monde. Non, je ne pense pas. Mais ma prière est que cela soit pour tout le monde. Ma prière est que cela soit pour ta vie, frères et sœurs. Mais bien-aimés dans le Seigneur, à quoi servira-t-il à un homme de gagner tout ce monde et s'il perd son âme? Alléluia. S'il n'a pas le Saint-Esprit. Et la Bible déclare que nous puissions nous entretenir par des cantiques spirituels. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu écoutes comme la musique? Parce que c'est ton anniversaire. Je dois mettre n'importe quelle musique. Non, je dois honorer le Saint-Esprit, frères et sœurs. Parce que c'est mon mariage. Parce que c'est la coutume. Mais bien aimé, tu n'es plus de la coutume de ta famille. Tu es sorti de la coutume de ta famille. Alléluia. Mais bien aimé, tu es maintenant un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Tu es mis à part. Donne-toi la valeur. Quand tu donnes la valeur au Saint-Esprit, le Saint-Esprit te donnera aussi la valeur vis-à-vis de ta famille. Même si ta famille sont trop méchantes, même si ta famille sont trop dures, le Saint-Esprit va saisir leur cœur de devenir, alléluia, facile pour te donner, en fait, la victoire. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, par la compassion de Christ, je vous en supplie, n'abandonnons pas le Saint-Esprit. Ne laissons pas que le Saint-Esprit soit triste. Non, je vous en supplie. Frères et sœurs, tous ceux qui ont marché avec le Saint-Esprit ont fini par triompher. Ont fini par triompher, frères et sœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que tu écoutes dans tes oreilles? Est-ce que tu écoutes la musique du monde? Bien-aimés dans le Seigneur, je vous en supplie là par l'amour du Seigneur. Et je peux vous donner mon témoignage. Que j'aimais bien la musique. Et j'aimais bien, il y a un musicien de l'Afrique du Sud. Il est déjà décédé. Il faisait le reggae, je crois. Là, j'aimais cette personne. Une fois, j'avais entre 13 ans ou 14 ans. J'écoutais sa musique. Je suis allé voir quelqu'un et... Quand je suis rentré dans cette maison-là et j'entends la musique de Luc Dubu, et j'entendis, ça m'a fait du bien. J'ai dit, ah, c'est bien la bonne musique. Mais mes bien-aimés dans le Seigneur, dès lors, le Saint-Esprit est rentré à moi. Au fur et à mesure, le Saint-Esprit est rentré à moi. Mes bien-aimés dans le Seigneur, même si j'écoute ça, je vois ça comme un tabou, je vois ça nul. Je n'arrive plus à voir le goût d'avant. Je n'arrive plus à considérer cela, bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, je vous en supplie. Quand vous mettez le Saint-Esprit en premier lieu, le Saint-Esprit va faire toutes choses dans votre vie. Frères et sœurs, il ne faut pas dire simplement que non, j'ai besoin de la guérison, j'ai besoin du mariage, j'ai besoin... de la promotion au travail, j'ai besoin des papiers, j'ai besoin de voyager, j'ai besoin des visas, j'ai besoin de ceci, c'est cela. Frères et sœurs, quand tu cherches le Saint-Esprit va aller chercher les choses que tu as besoin. Les choses que tu as besoin, mais parce que il va aller chercher comment? Parce que tu as d'abord mis le Saint-Esprit en première position. D'abord le Saint-Esprit de Jésus. Tu dis dans ton cœur, Saint-Esprit, remplis-moi d'abord et enlève les mauvaises choses. Alléluia. Amen, amen. Mais bien-aimés dans le Seigneur, je vous en supplie. Je vous en supplie. Je vous dis la vérité. Je ne peux pas vous dire des choses terre à terre. Non, mais bien-aimés dans le Seigneur.
J'aimais bien la musique là. J'écoutais ça. Même quand j'étais en Angola, j'écoutais ça. Mais quand le Saint-Esprit a visité ma vie, j'ai eu le baptême. Parce que mon baptême, j'avais eu ça en Angola. J'ai eu mon baptême. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'ai considéré comme c'était de la boue. Je n'arrivais plus à l'écouter. Je n'arrivais plus à le supporter. La musique du monde pour moi, c'était non, c'était je ne peux pas écouter. À tel point, je suis venu en France. Chez mon grand frère, il y avait que la musique du monde. Moi, j'écoutais pas cette musique-là. Dès qu'ils mettent la musique-là, je rentre dans la chambre et je ferme la chambre. Alors, je descends, je n'écoute pas la musique-là. Bien-aimé dans le Seigneur. Frères et sœurs, aimons le Saint-Esprit. Alors, nous allons prier le Seigneur. Frères et sœurs, nous allons prier le Seigneur. Oh Jésus, Saint-Esprit, aide-nous. Seigneur, Saint-Esprit, aide-nous ce matin, aide-nous Saint-Esprit, aide-nous que ton peuple comprenne que le Saint-Esprit d'abord, que le Saint-Esprit d'abord. Saint-Esprit, aide-nous ce matin, Saint-Esprit. Aide-nous ce matin que nous puissions laisser la place, toute la place à toi. Saint-Esprit, je t'en supplie ce matin. Je t'en supplie ce matin, Saint-Esprit. Ne nous laisse pas dans les choses du monde, ne nous laisse pas, Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier. Demandons au Saint-Esprit de Dieu de barricader nos vies et que nos vies soient engagées aux choses de Dieu par des psaumes spirituels, par des cantiques spirituels. Est-ce que tu peux prier ce matin? Saint-Esprit, nous voici devant toi. Je veux que mon cœur, je veux que ma vie soit barricadée par des psaumes, par des cantiques spirituels. Que mon corps, que ma voix, que ma bouche, que mes pensées soient barricadées, soient contrôlées, soient entourées, soient enveloppées ce matin par des psaumes spirituels, par des cantiques spirituels. Je te prie ce matin. Saint-Esprit, toi qui connais toutes tes choses. Saint-Esprit, tel est mon désir ce matin. Mon désir ce matin que je sois barricadé. Viens me vêtir ce matin. Viens me donner les habits nécessaires. Viens m'envelopper ce matin que je sois barricadé par des cantiques spirituels. Que le chant nouveau sorte dans ma bouche. Que le chant nouveau sorte dans mon cœur ce matin. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je te prie ce matin, telle est ma prière. Ma prière est que ce matin, je ne sois pas dans la chair, que je ne sois pas dans le moi, que je ne sois pas, Seigneur de gloire, Père, dans la distraction, mais que je sois revêtu, que je sois changé, que je sois couvert, que je sois enveloppé ce matin. Oh, Saint-Esprit, par ton vêtement divin ce matin, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je veux d'abord ta présence. Je ne veux pas, oh, de choses terre à terre. Je ne veux pas les coutumes. Les coutumes ramènent toujours les traditions mauvaises. Les coutumes ramènent toujours les habitudes mauvaises. Je te prie ce matin, Saint-Esprit, réveille-moi ce matin, que je sois capable de pouvoir chanter des cantiques spirituels, que je sois capable de célébrer ton nom dans mon cœur. Ah, Saint-Esprit, je te prie ce matin, Saint-Esprit de Dieu, je te prie ce matin, peu importe la situation que je suis en train de traverser, mais d'abord je veux être inondé, saturé de ta présence. Viens me couvrir ce matin, viens me vêtir, m'habiller ce matin. Réveille-moi ce matin, oh, de cantiques spirituels, que les cantiques spirituels sortent dans ma bouche, dans les noms de Jésus. Dans les noms de Jésus, d'un maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ça se passe dans le cœur. C'est le cœur, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui peut comprendre toutes choses. Alors, frères et sœurs, tu vas demander au Saint-Esprit de changer ton cœur et que ton cœur soit un cœur de célébration pour l'œuvre de Dieu, pour le Seigneur. Alléluia, que ton cœur soit
Alléluia, l'œuvre de Dieu. Que ton cœur soit dans la capacité de célébrer le Seigneur. Est-ce que tu peux prier ce matin? Saint-Esprit, je veux que mon cœur soit, Dieu, capable de célébrer les louanges de Christ. Saint-Esprit, je veux que mon cœur soit capable d'adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Saint-Esprit, je veux que mon cœur soit capable de hausser la voix, de pouvoir chanter que pour Dieu. Oh, Saint-Esprit, fais en sorte que mon cœur soit capable de célébrer les louanges, les cantiques de Dieu dans ma vie d'abord, dans les noms puissants de Jésus. Oh, Saint-Esprit, je veux que tu puisses utiliser mon cœur. Utilise mon cœur ce matin. Utilise mon cœur ce matin parce que je veux que le chant spirituel sorte dans mon cœur. Je veux que mon cœur soit transformé davantage parce que c'est toi qui connais le cœur de l'homme. Saint-Esprit, je te prie ce matin. Je veux que mon cœur soit transformé. Je veux que ma vie soit transformée ce matin. Oh, Saint-Esprit de Dieu, que mon cœur soit un canal par lequel la célébration de Dieu vibre au nom puissant de Jésus, de maintenant et à jamais. Saint-Esprit, je veux que tu puisses travailler mon cœur, que tu travailles mon cœur ce matin, que tu travailles mon cœur ce matin et que mon cœur puisse célébrer les cantiques de l'Éternel et que mon cœur puisse donner des cantiques spirituels et que mon cœur puisse adorer Dieu en esprit en vérité dans les noms puissants de Jésus, dans les nom puissant de Jésus, d'un maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je veux ce matin et que mon cœur soit capable de célébrer l'Éternel Dieu. Oh, lorsque je suis tout seul, lorsque je suis à la maison, lorsque je suis dans ma chambre, lorsque je suis devant les gens et que mon cœur puisse porter le flambeau ce matin des psaumes, des cantiques, des hymnes, des puissances dans les noms puissants de Jésus, dans les noms de Jésus. Alléluia. Mais bien-aimé dans le Seigneur, tu vas dire au Saint-Esprit, alléluia, de te donner le cœur de Dieu. Tu vas dire, Saint-Esprit, donne-moi le cœur de Dieu. Lorsque je possède le cœur de Dieu, je dois faire la volonté de Dieu. Le fruit de l'Esprit Saint sera à moi. Alléluia. Est-ce que tu peux prier, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que tu peux prier là où tu te trouves? Oui, Saint-Esprit de Dieu, donne-moi le cœur de Dieu ce matin. Donne-moi le cœur de Dieu ce matin pour que je puisse faire la volonté de Dieu, pour que je puisse avoir la crainte de l'Éternel, pour que je puisse avoir de l'obéissance en moi, pour que le fruit de l'Esprit de Dieu s'opère davantage. Oh Saint-Esprit, donne-moi le cœur de Dieu ce matin. Donne-moi le cœur de Dieu, le cœur qui est soumis, le cœur qui est, alléluia, à l'abandon de Christ, rabocheke, et que je m'abandonne à Christ, que je m'abandonne à Dieu. Au nom puissant de Christ et Jésus, oui, Saint-Esprit, je veux que mon cœur, Seigneur, soit capable de faire la volonté de Dieu. Viens me donner le cœur de Dieu. Viens me donner le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu dans ma vie. Lorsque j'ai le cœur de Dieu, j'aurai la compassion. Oh, je serai compatissant. Je serai, alléluia, dans la plénitude de Dieu. Je serai dans la tempérance, dans les noms de Jésus, dans les noms de Jésus, dans les noms de Jésus, de maintenant et à jamais, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut changer ton caractère. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te donner la force d'abandonner la musique du monde. Il n'y a que le Saint-Esprit. Alors tu vas demander au Saint-Esprit de te donner les dégoûts, alléluia, les dégoûts de la musique du monde. Oh, tu vas dire, Saint-Esprit, mets les dégoûts de la musique du monde dans mon cœur. Mets les dégoûts de la musique du monde dans mes oreilles. Au nom puissant de Jésus, c'est possible avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier ce matin? Oui, Saint-Esprit, je te prie ce matin. Mets le dégoût de la musique du monde, Seigneur, dans mon cœur. Mets le dégoût de la musique du monde ce matin dans mes oreilles. Oh, je te prie ce matin. Saint-Esprit, toi qui intercèdes au-dedans de mon cœur par des soupirs inexprimables. L'heure a sonné. Je veux ce matin que tu puisses mettre les dégoûts
dégoût de la musique du monde, de la musique démoniaque et satanique qui vient de l'enfer. Je te prie ce matin, ô Saint-Esprit, mets le dégoût de la musique du monde dans mes oreilles. Mets le dégoût de la musique du monde dans mon cœur et que je ne puisse pas être agité. Oh, que je ne sois pas dans l'influence mondaine. Je te prie ce matin, mets le dégoût ce matin, mets le dégoût de la musique du monde, mets le dégoût du péché, mets le dégoût de l'injustice, mets le dégoût, Seigneur, de la débauche, mets le dégoût, Seigneur, du vin dans ma vie, dans le nom de Jésus, dans maintenant et à jamais, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore prier ce matin que le Saint-Esprit puisse éclairer ta vie. Le Saint-Esprit, c'est la lumière. Le Saint-Esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est la consolation. Le Saint-Esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est la direction, alléluia, divine. Alors tu vas dire ce matin au Saint-Esprit de te mettre, de te donner la lumière. Tu vas dire, Saint-Esprit, mets la lumière dans mon cœur. Mets ta lumière dans mon cœur, afin que je puisse faire la volonté de Dieu. Est-ce que tu peux prier ce matin? Mes bien-aimés dans le Seigneur, lorsque tu cherches le royaume des cieux, lorsque tu cherches d'abord la justice de Dieu, et tous les restes vous seront donnés par-dessus tout. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'on peut prier ce matin? Oui, oh Dieu de gloire, Saint-Esprit de Dieu, mets ta lumière dans mon cœur. Ta lumière soit éclairée dans mon être, dans mon âme, dans ma maison. Je veux ta lumière dans ma conscience. Je veux ta lumière dans mon raisonnement. Je veux ta lumière, oh, dans mes réflexions. Je veux ta lumière au-dedans de mes entrailles, raboche kerebosia. Ô Saint-Esprit, je te prie ce matin, je veux ta lumière ce matin, je veux ta lumière dans ma conscience et que ma conscience soit tranquille d'être capable de pouvoir contempler la seigneurie, la plénitude de Dieu dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je te prie ce matin, je veux ta lumière, je veux ta lumière dans mon cerveau, je veux ta lumière dans ma conscience. Je ne vais pas tomber dans la AVC. Non, 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 non. Je ne vais pas tomber dans la Alzheimer. Non, 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 Seigneur. Que ma conscience soit intacte. Que mon intelligence soit intacte. Voilà pourquoi je demande ta lumière. Viens m'éclairer. Éclaire-moi ce matin. Éclaire ma vie ce matin. Éclaire mon âme ce matin. Éclaire mon corps ce matin. Éclaire mon esprit. Éclaire mes yeux, afin que je puisse voir clair et que je puisse comprendre la volonté de Dieu et que je sois soumis à Christ et que je marche dans la nouveauté de vie et que je sois rempli de l'Esprit de Dieu au nom puissant de Christ et Jésus. Saint-Esprit, remplis mon cœur. Saint-Esprit, remplis ma bouche. Ce matin, je veux qu'à l'intérieur de moi qui est la lumière de Christ, la lumière qui éclaire le sentier de ma journée, la lumière qui éclaire le sentier de ma destinée, dans le nom puissant de Jésus. Ce matin, que la lumière de Christ s'installe de maintenant dans ma maison, pour qu'il n'y ait pas la convoitise, pour qu'il n'y ait pas la confusion, pour qu'il n'y ait pas la débauche, au nom puissant de Christ et Jésus. Dans maintenant et à jamais, viens m'éclairer ce matin. Oh, viens m'éclairer, Saint-Esprit. Éclaire-moi, mets la lumière de Christ dans ma vie. Mets la lumière de Christ dans mon cœur, dans mes mots, dans mes phrases, dans mon éducation, dans ma conduite, dans mon comportement, dans ma faculté de l'intelligence, dans les noms puissants de Christ et Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Je veux ce matin, et que je sois rempli, oh, par la lumière de Christ, par la lumière du Saint-Esprit, au-dedans de mon cœur, de maintenant et à jamais, au nom de Jésus,
au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alors tu vas encore prier ce matin, tu vas dire, Saint-Esprit, intercède dans mon cœur, intercède pour ma santé, intercède pour mon avenir, intercède pour ma journée. Tu vas demander au Saint-Esprit d'intercéder pour toi, parce que toi-même tu ne pourras pas. Avec l'aide du Saint-Esprit, c'est là où que tu vas vivre la victoire, c'est là où que tu vas faire la volonté de Dieu. Tu vas dire au Saint-Esprit d'intercéder à l'intérieur de toi, parce que c'est lui qui intercède mieux au-dedans de nous par des soupirs inexprimables. Est-ce que tu peux prier ce matin? Oui, Saint-Esprit, je te prie ce matin d'intercéder à ma faveur, d'intercéder à l'intérieur de moi, dans les choses que je n'arrivais pas, là où je suis faible, que tu puisses intercéder ce matin. Intercède ce matin que je puisse abandonner l'alcool. Intercède ce matin que je puisse laisser la débauche. Intercède ce matin que je puisse laisser les commérages. Intercède ce matin que ma bouche soit calme, que je ne puisse pas propager de mensonges et que je ne puisse pas être, oh Dieu de gloire, dans le mensonge, Seigneur, oh de l'ennemi, du diable. Je te prie ce matin, viens intercéder au-dedans de moi pour que la victoire me soit accordée, pour que je puisse vaincre, pour que je puisse prendre la possession du territoire, du pays, du contrée, au nom puissant de Christ et Jésus. Saint-Esprit, je te prie ce matin. Saint-Esprit, je te prie ce matin, parce que l'heure a déjà sonné. Je vais être dans cette heure de Dieu, dans cette heure de la mouvance de l'Esprit de Dieu. Ce matin, je veux ce matin que tu intercèdes pour ma santé, que tu intercèdes pour ma famille, que tu intercèdes pour ma maison, et que ma maison soit une maison de lumière, une maison de prière, une maison de la sanctification, une maison de la sainteté. Rakaboshe, Mareboshe, Kerebosia, au nom puissant de Jésus. Ce matin, oh, je veux ce matin que le Saint-Esprit puisse intercéder. Lorsque tu intercèdes pour moi, je suis un homme heureux. Je suis, Seigneur de gloire, Père, oh Dieu, un bien-aimé. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, je te prie ce matin, là où il y a des faiblesses, commence à intercéder que je devienne fort. Là où je suis faible, Seigneur, que je ne sois plus faible, Seigneur, que je sois capable de toute bonne œuvre. Dans le nom puissant de Christ et Jésus, d'un maintenant et à jamais, dans le nom de Jésus. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, tu vas dire au Saint-Esprit, alléluia, d'être béni. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, tu vas dire ceci. Tu vas dire, Saint-Esprit, conduis-moi sur le chemin de la bénédiction. Parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît le chemin par lequel il va te ramener. Alors tu vas dire, Saint-Esprit, conduis-moi sur le chemin de la bénédiction dans cette journée. Que le Saint-Esprit te conduise sur le chemin de la bénédiction dans cette journée. Que ta famille, que toi-même, tu sois béni au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier ce matin? Saint-Esprit de Dieu, je te prie ce matin, conduis-moi sur le chemin de ma bénédiction. Conduis-moi sur le chemin, oh, de la richesse. Conduis-moi ce matin sur le chemin de la victoire. Conduis-moi ce matin sur le chemin de l'excellence. Conduis-moi ce matin sur le chemin de la sanctification. Conduis-moi ce matin sur le chemin qui crie Abba Père, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, viens me conduire. Viens me conduire ce matin. Et conduis-moi sur le chemin de la victoire. Conduis-moi sur le chemin, oh, alléluia, de la sainteté. Conduis-moi sur le chemin de ma bénédiction. Je veux vivre la bénédiction que l'Éternel m'a béni, oh, avant la fondation du monde, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, je veux ce matin que tu me conduis sur le chemin de ma bénédiction et que je sois béni dans cette journée et que ma famille soit bénie dans cette journée et que mon cœur soit béni dans cette journée, parce que c'est toi, le Saint-Esprit, qui nous conduira dans toute la vérité. Car c'est toi, le Saint-Esprit, qui nous montrera le chemin qui est Christ, au nom puissant de Jésus. D'un maintenant et à jamais,
de maintenant et à jamais, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu vas demander que ton cœur soit dans la paix. Tu vas demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je veux que tu puisses ramener la paix dans ma maison, dans mon foyer. Peut-être ton mari te fait des problèmes, peut-être ta femme te fait des problèmes, tes enfants aussi, peut-être la vie du monde, mais bien aimé, la situation du monde, les circonstances du monde te fait la peine, et que le Saint-Esprit puisse mettre la paix là où il y a le trouble. Est-ce que tu peux prier ce matin? Ô Saint-Esprit, je veux ce matin que tu mettes la paix là où il y a le trouble, là où l'ennemi veut m'avoir, là où l'ennemi a mis des pièges. Ô Saint-Esprit, je te prie ce matin que tu me donnes la paix, mets la paix dans ma famille, mets la paix dans mon territoire, mets la paix dans mon périmètre, mets la paix dans mon travail, mets la paix dans ma maison, mets la paix dans mon cœur, mets la paix dans mon cabinet, mets la paix, Seigneur, ô Dieu, vis-à-vis de mes avocats, mets la paix dans le cœur, au nom puissant de Jésus, de maintenant et à jamais. Je veux ta paix, Saint-Esprit, mets la paix ce matin, dans les noms de Jésus. Mets la paix ce matin dans mon cœur. Mets la paix ce matin dans les noms de Jésus. De maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier le Seigneur. Nous allons rendre gloire à Dieu pour cette journée. Et que cette journée soit une journée excellente, une journée glorieuse. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous voici devant toi ce matin. Nous te disons merci. Merci Seigneur, ô Dieu, parce que c'est toi, Seigneur, qui nous conduira dans toute la vérité. Nous savons, Seigneur, ô Dieu, dans cette journée, Seigneur, ô Dieu, nous voulons que tu puisses bénir et que notre journée soit excellente et que notre journée soit glorieuse et que notre journée soit encore magnifique au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, manifeste-toi ce matin. Saint-Esprit, manifeste-toi dans nos vies. Saint-Esprit, manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Mets la paix dans notre cœur, mets la paix dans notre vie ce matin au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Nous recommandons la journée, nous recommandons, Seigneur, ô Dieu, que nos vies, Seigneur, soient gardées par toi dans le nom de Jésus. Nous t'avons aussi prié. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous prie dans le nom de Jésus de pouvoir aimer la vidéo. Donnez vos offrandes en aimant simplement la vidéo. Nous sommes plus de 600 personnes, mais jusqu'ici, il n'y a que 200 personnes qui ont mis la main à la pâte d'aimer la vidéo. S'il vous plaît, le 400, si vous pouvez faire quelque chose, l'Éternel Dieu vous bénira. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier le Seigneur. Tendre Père, merci pour ce temps merveilleux. Merci encore, Seigneur, pour ce moment. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, de ce que tu nous as gardé, de ce que tu nous as donné la force de pouvoir entendre le son de ta voix. Seigneur, ô Dieu, je bénis ton peuple ce matin et que ton peuple puisse, Père éternel, être, Seigneur, rassasié de t'aimer au nom de Jésus. Que ton peuple soit ravitaillé ce matin de la main d'en haut au nom de Jésus. Que ton peuple soit ravitaillé ce matin du pain du ciel dans le nom de Jésus. Bénis-les au centuple, Seigneur. Gardez-le fidèle à toi dans le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et nous disons tous Amen. Alors avant de quitter, bien-aimé dans le Seigneur, aimez la vidéo et mettez le chiffre 3, alléluia, le chiffre de la résurrection. Si vous êtes là pour la toute première fois, mettez le chiffre 3 et mettez aussi le pays ou la ville par lequel vous habitez. Que le Seigneur vous bénisse. Et si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne et que vous puissiez vous abonner, l'Éternel Dieu vous bénira énormément. Gloire à Dieu. Et pendant ce temps-là, j'ai des communiqués à vous donner. Donc, nous avons un 70 jours de jeûne et prière qui va commencer le 1er octobre jusqu'au 9 décembre. Et le 10, nous aurons un rassemblement, alléluia, général pour toutes les familles de la tour de prière sommaire de partout. Amen. Gloire à Dieu. Donc, le 10 décembre, nous serons dans une campagne de prière prophétique de délivrance et de guérison miracle.
Que le Seigneur vous bénisse. Donc, prenez déjà des dispositions. Il y a l'adresse qui s'affiche déjà et que vous puissiez participer ces jours-là. Nous voulons vous voir vraiment en présentiel. Ça sera glorieux. Ah, glorieux, et ça sera magnifique, ça sera excellent ces jours-là. Et je vous salue tous dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tous nos bien-aimés qui se sont joints à nous pour cette prière. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, nous sommes la tour de prière ce matin, nous sommes des passionnés de Christ, nous aimons Dieu, nous voulons que Dieu soit vraiment à l'intérieur, à l'extérieur, partout où nous sommes et que nous soyons avec Dieu. Amen. Parce qu'avec Dieu, c'est là où nous allons triompher, c'est là où nous allons faire des exploits. Que le Seigneur vous bénisse. Une excellente journée glorieuse. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne et Dieu vous bénira. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Et cette chanson est dédiée pour vous, les nouveaux venus. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis. Avec Dieu, je ferai des exploits. Avec Dieu, je ferai des exploits. Je veux dire à quelqu'un que la mer ne va pas te submerger. Parce que Christ est avec toi. Parce que le Saint-Esprit marche avec toi. Quels que soient les problèmes de la vie, quelles que soient les circonstances, parce que le Saint-Esprit est avec toi, tu feras des exploits. Je ferai des exploits. Même si
Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tour de prière semeur pour plus d'édification. Que Dieu vous bénisse.